Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore ce mercredi pour une présentation de livre. Là, c'est le Fairy and Fantasy 2, donc en mode grayscale, de Christine Caron. Toujours les éditions Amazon, qu'on aime bien par rapport au prix, mais qu'on déteste par rapport au papier. J'aime beaucoup les mises en couleur de Christine Caron. Au départ, elle met une couleur complètement what the fuck. Voilà, du vert dans le visage, du bleu, machin. Et au final, bah, ça rend tellement bien. Donc, nous avons le petit sommaire. On voit qu'on a des bonus. Ça nous fait 24 colos au total. Sugar Plum Fairy. Elle est trop belle. L'affaire en mode fée clochette. C'est sympa. Hydrangea. Je sais pas si c'est pas le nom de la fleur. Et chez nous, je sais plus comment ça s'appelle ça. Je sais plus. Little Red Riding Hood. Le petit chaperon rouge. Il faut un beau rouge. Summer Night Fiddler. On a encore un anglais approximatif aujourd'hui. Transience. Beloved. Ocean Eyes. Ça me fait penser à la chanson de Billie Eilish. Midnight Enchantress. Wildberry Bloom avec des belles mûres, ouais, belles mûres. Hein. Faire les cheveux, je sais pas, dans le même ton violet prune. Queen Chalice, Carlis, hein. Angel Eyes, Wood Elfling. Elfling. Tais-toi. Hein, je vais me taire. Forest Song. Lui avec une peau métisse, ouais. Wild Sunflower Bloom. Leaf Rider. Ouais, elle vole. Elle est sur une feuille volante. Last Harvest. Lady Witch. Small Wonders. Trop beau. Mais pas de saison. Dark Eyes. Vous allez entendre le bruit dehors. Ils sont sûrement en train d'arroser les fleurs, je pense. Je sais pas trop. Fallen. Cup of Warmth. Celui-là, ouais, trop envie de le faire, mais en automne, quoi. En automne. Celui-ci. Là. Sweet Temptation. J'aime trop ça. Et là, c'est là que je me rends compte que j'en ai fait aucun dans celui-ci. Polar Bears Comfy Evening. Il est trop mignon avec ses livres, son petit chat. Australia. Donc ça doit dater voilà, des incendies d'Australie. Voilà, trop la collection. Et les liens de Christine Caron. Voilà. Pour ce livre, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme d'habitude si vous avez ce livre. On se retrouve bientôt pour une prochaine présentation. Prenez soin de vous. Ciao !